Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sur Tessa Lovely Unicorn et aujourd'hui, je vais montrer à ma maman comment jouer à Roblox. Alors, déjà, tu vas appuyer sur le bouton s'inscrire. Donc, je m'inscris. Alors, la date que tu veux. N'importe. Je mets une date d'anniversaire. Je vais dire que je suis dans 90, c'est pas mal. Voilà. Ok. Alors là, tu vas mettre un profil ou un pseudo, voilà. Ok, donc, alors, je peux mettre ça. Je pense que tu peux mettre un tiré du bas, voilà. Voilà. Non, c'est déjà utilisé. Voilà, super. Ensuite, tu vas sur mot de passe, tu fais celui que tu veux, n'importe. Hein. Ok. Tu mets ça marche. Et tu mets s'inscrire. C'est parti. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'adresse email. Et donc, en fait, tout le monde peut jouer. Tout le monde peut se connecter. Attention, c'est la vérification. Oui, c'est pour voir si tu n'es pas un robot. Ah, on va voir. Peut-être que je suis un robot. Choisissez le cerf. Il est là. Bah voilà, c'est bon. Donc là, ça va te mettre. Et ils ont vérifié. Donc, sachez que je ne suis pas un robot. Alors, j'arrive sur Roblox. Oui. Donc déjà, tu vas aller sur le petit personnage que tu veux. Alors là, c'est tous les jeux qu'on peut jouer à Roblox. Oui, et il y en a beaucoup plus. Donc tu vas appuyer sur le petit personnage. Le personnage qui est au milieu. Tu vas sur personnaliser. Ouais, parce que là, je suis comme ça, je suis pas belle. Oui. Okay. Tu vas sur corps. Corps. Tu auras la donc, peau. Donc choisis une couleur de peau. Je vais mettre voilà. Bronzé. Tu vas appuyer sur cheveux. Cheveux. Alors là, il y a les cheveux, mais tu peux pas tout avoir les possibilités. J'ai que ça. Oui. Donc je vais mettre des cheveux ou peut-être ça. Qu'est-ce que c'est pas mal sûr. Cheveux le rouge. Ouais, allez. Tu appuies sur gratuit. On dirait Mérida. Pour obtenir objet porter après porter objet après achat. Ok. Tenir. Super. Ensuite, appuie sur visage. Visage. Et là, tu auras quelques choix de visage. Ça prend un peu de temps pour chercher, peut-être parce qu'il y a beaucoup de choix. Bah, prends déjà vêtements. Alors, vêtements. Comme ça, voilà. Ça va aller un peu plus vite. Alors, je vais mettre un petit au noir. Appuie sur gratuit. Gratuit, oh, yes, oui. Yes, ok. Pourtant, tu veux le garder ou pas? Oh, bon. Ouais, c'est pas trop grave, on pourra changer après. Oui, sur Brooklyn. J'aimerais juste un petit peu changer ma tête, parce que je suis pas très belle comme ça avec cette tête-là. Comment on fait? Tu vas sur corps et c'est visage. Tête. Non, c'est tête. Ah non, ça c'est pas grave, je parlais d'un visage. Enfin, ah mes oui, yeux et voilà, tout. Voilà. Ah voilà, ça c'est plus joli ça, une petite lèvre et tout. Yes, ok. Et puis ensuite, attends, tu peux avoir une animation. Regarde, attends, tu as elle, regarde, attends, regarde là, comment elle marche comme ça. Non, je peux être normale. Ok. Mais j'ai vu quelque chose là, construire, c'est-à-dire que je peux construire moi-même mon Roblox. Hein? Où ça? Quand j'étais dans accessoires, corps, là, construire, c'est-à-dire quoi construire? Ah, regarde, là tu vois, t'es comme ça, et ben, regarde. Oups, attends. Pourquoi ça ah, je peux pas? Changer la taille du corps. Je peux être corps. Un peu plus maigre. Je peux être maigre ou moyenne ou un peu plus costaud. Oui. Je vais me mettre au milieu alors, voilà. Voilà. Et ça c'est quoi? Pour être plus grand, je te conseillerais de mettre... Bah voilà. Voilà, comme ça. Ok. Voilà, donc tu es comme ça. Tu t'appuies sur la petite maison. Et donc tu vas. Là, j'arrive sur le point d'accueil. Je vais en haut. Et ça met à jour. Oui. Ça met à jour quoi? Bah ton personnage. Mais là, ça se voit pas, mais c'est pas. Mais après, ça va se voir. C'est dans mon profil. Bon, ça, c'est pas grave. Oui. On peut quand même aller jouer tout de suite? Oui. Donc, alors, toi, c'est quoi ton truc préféré? Brookhaven. Donc, Brookhaven, c'est une ça. Ville. Et est-ce que tous, c'est des villes? Non. Il y a des choses, c'est pas des villes. Il y en a où ce sont des escapes, il y en a où ce sont des hobbies, il y en a où ce sont des villes. Ah, c'est des trucs pour essayer de sortir. Mais des trucs escape the home hobby hospital, c'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire que tu oui, dois c'est être... une escape, tu dois te sauver, oh my goodness. Alors, tu vas sur Brookhaven. Donc on fait pas d'escape alors? Non. Je vais sur Brookhaven. Et ah, j'adore. Ouais, 86% de vote positif. Des petits pouces levés en mode c'est top. Très grand. Donc là je vais sur Brookhaven. C'est un peu fort. Mais qu'est-ce que c'est cette musique là? C'est le début d'entrée. Alors donc là j'arrive. J'appuie sur play. J'appuie sur play. On va avancer un petit peu sinon tu vas voir les gens qui vont te rentrer dedans. Voilà. C'est bon. Et là je suis à Brookhaven. Oui, bouge plus.
Tu appuies sur Avatar Editor. Donc, je vais sur Avatar Editor. Je mets mon nom, le nom que je veux mettre. Ok. C'est bon, après, qu'est-ce que je fais? Ensuite, bah, tu passes. Mais non, j'ai dit l'avatar et le petit crayon de papier. Voilà, là, tu peux te changer. Alors, ça, c'est quoi? Changer la couleur de peau. Ça, c'est quoi? Changer la tête. Ah, si je mets elle. Non. Et si je mets elle? Voilà, je mets elle. Ok, ensuite, tu vas sur là où il y a plusieurs... Non. Sur les cheveux et tout. Ah, et là, je peux changer mes cheveux. Oui. Qu'est-ce que je peux mettre? Des cheveux noirs, des cheveux blonds, bleus. Oh, waouh, c'est beau ça. Et il y a quelqu'un qui est passé en vélo. Oui. Ah, je mets ça. Allez, qu'est-ce que je fais maintenant? Ensuite, tu appuies... tu veux pas te changer de linge? Non, c'est bon. Vêtements. Moi, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe dans la ville. Ok. Alors, ensuite, tu peux appuyer sur le véhicule. Ouais. Tu peux avoir ce que tu veux. Je prends un vélo. Oh! Tu peux changer de couleur, par contre. Un petit vélo bleu alors pour aller avec mes cheveux. Maman, faut tourner avec ça, voilà. Et il y a quelqu'un qui vient voler mon vélo ou quoi? Voilà, ah, ensuite tu avances. Oh, ma petite qui vient nous voir. Mais tu pars dessus le vélo? Je pars sur le vélo parce que toi aussi tu sais jouer à Brookhaven. Ouais, bah dis donc, ça commence tôt. Hein. À 4 ans, on sait jouer à Brookhaven. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tourne là-bas. Je vais aller chercher... qu'est-ce que je dois faire, en fait? Je te dis tout droit, tu vas te prendre une maison. Oui, mais ah, je vais aller m'acheter une maison. Oui. Je vais aller m'acheter une maison. Tudidu, je me balade dans la ville. Ah, là, il y a écrit maison. Ah, vacant, ça veut dire que je peux y aller dedans? Maman, il faut que tu appuies sur le truc, il faut que tu mettes une maison. Ah, quelle maison je choisis? Celle-là, elle est belle. Bah vas-y, yes. Please wait. Donc là, on attend un petit peu. Et je vais avoir ma maison. Ah, il y a écrit mon nom maintenant. Il y a écrit mon nom et tout. Donc vas-y, dessus, rentre dans la porte. C'est ma maison. Hop là, je rentre par la porte. Donc là, tu peux fermer à clé. Ah, ah c'est oui, ton garage. Oh, attends, mais je sais même pas par où je suis passée. J'ai fait n'importe quoi. Ah, alors là, j'arrive dans... Waouh, j'ai une belle cuisine. J'ai même un petit aspirateur et tout. Oh, je me suis assise, je sais même pas comment je vais. Qu'est-ce que je fais pour sortir de là? Saute. Ah, c'est avec la flèche, là. Donc là, je peux monter. Mais arrête de t'en sortir sur des chaises. Est-ce que tu crois que je fais exprès? Et ça, c'est quoi? Le jardin. Comment je fais pour ouvrir mon jardin? Non, on va pas regarder, sinon les gens, ils vont rentrer. Ah! Pourquoi ils vont rentrer chez moi? Bah, ils escaladent, c'est facile. Hein. Mais pourquoi faire? Pourquoi ils voudraient rentrer chez moi? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Pour te cambrioler. C'est simple. Ah. Donc là, il y a une chambre. Deux chambres, trois chambres. Deux chambres, bah dis donc. Il faut que je fasse des bébés. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, je t'ai dit, c'est ton coffre-fort. Mon coffre-fort? Attends. Et comment je fais pour voir ce qu'il y a dedans? Oh, mais j'ai plein d'argent. Il faut refermer, c'est secret. Allez, on sort. Ouh! Et qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Ah, je suis dans ma penderie. Attends. Oh, j'ai du mal, hein. Franchement, c'est difficile à se balader. Hein. Voilà. Ah, je peux faire slip? Je vais dormir? Ah! J'ai peur de faire ici, c'est pour fermer tes volets. Ici, c'est pour ouvrir le garage. Ici, pour écrire quelque chose. Par exemple, tu peux écrire, je sais pas moi, voilà. Mais non, je vais pas écrire ça, je vais dire hello. Voilà, c'est bien ça, non? Oui, après tu peux changer de couleur, après tu verras sur ta maison, regarde. Et là, tu peux voir ce qu'il y a dans ta maison. Mmh, voilà. D'accord. Ok, bon bah voilà. Et après, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Et regarde ce que tu peux faire, attends, bouge pas. Regarde, tu peux faire ça, ça. Waouh! Ça, comme tu veux. D'accord, mais en fait, c'est quoi l'intérêt de jouer? Bah, tu peux aller voir des gens, tu peux aller les rencontrer, tu peux aller au magasin. Bon, je suis pas trop convaincue de l'utilité du jeu. Hein. Oui. Je dois dire que je pense que c'est vraiment réservé pour les enfants. Bon, j'espère que vous avez aimé et on vous dit des gros bisous! Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux partir ou pas? Ah oui. Et comment je fais pour sortir? Bah tu rouvres.
J'ouvre ma maison. Et si je sors, est-ce que quelqu'un va rentrer chez moi? Bah non. Ah, je la ferme à clé? Bah oui. Et ouais, ok, bon bah et maintenant je peux aller te visiter chez toi? Bah non, je suis pas là. Mais quand tu seras là, je pourrais venir te rendre une visite. Et est-ce que je peux avoir deux maisons? Non, je peux pas avoir deux maisons. Ok, bon bah d'accord. Bon bah écoutez, je ne sais pas trop à quoi ça rime, pourquoi faire. Mais j'ai compris le jeu un petit peu. J'espère que vous aussi, si vous êtes débutant comme moi sur Roblox. Merci ma fille de m'avoir montré comment on joue. De rien. Bye bye tout le monde.